Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un hommage au grand Scotty Moore, au regretté Scotty Moore qui nous a quittés malheureusement récemment et qui reste vraiment inscrit dans la légende de la guitare rock'n'roll comme étant celui qui a accompagné Elvis Presley les premières années, voilà, les années chez Sun et chez RCA. Voilà, donc j'aimerais vous exposer en quelques exemples, à travers quelques exemples, j'aimerais vous exposer son style. Qui est assez varié, assez complexe finalement, qui est à la frontière de la country, du jazz et du blues. Donc on trouve un peu de tout ça dans son style. On va commencer par un premier exemple, tiré des Sun Sessions. C'est un morceau qui se joue sur base d'un finger picking à Chet Atkins, Miles Travis, avec quelques petits développements en double note intéressants. Ça s'appelle I Don't Care If the Sun Don't Shine. Ça ferait. Donc le solo, ça fait... J'aimerais vous exposer aussi son travail sur Milkau Blues. C'est particulier parce que c'est en fait un picking qui se joue dans une tonalité mineure, ce qui est assez rare pour l'époque dans ce genre de musique. Donc là, on retrouve une tonalité mineure finalement sur un plan qui est caractéristique de Scotty Moore. Vous pouvez utiliser énormément les pull-offs, les hammers. Donc, en fait, ça fonctionne avec ce schéma-là. Voilà, donc on va utiliser le chorus.
Un autre exemple de Scotty Moore dans les Sun Sessions, essentiel. Pour ma part, je pense qu'il a vraiment créé la guitare rockabilly, définitivement, avec son jeu de guitare qui a été copié par tous les musiciens de l'époque déjà et par ceux d'après, y compris moi. Voilà, bien sûr. Pour jouer du rockabilly, il faut vraiment maîtriser le style de Scotty Moore, essayer de s'en approcher, et c'est lui qui a créé, bien sûr, Baby Let's Play House à la guitare. Donc ça fonctionne comme ça en fait, au niveau de son picking, dans la fin de cycle de la grille blues, quand il passe sur le si, il y a une particularité typiquement Scotty Moore, c'est... Ça revient tout le temps, dans I Got a Woman aussi, leur version. On va quand même voir le chorus, le premier chorus, qui est un chef-d'œuvre de synthèse de country et de blues. Ralenti. Un petit extrait d'I Got a Woman aussi, très intéressant au niveau du passage sur le La et le Si. Donc tout le monde connaît la mélodie. Alors ça c'est la version de Chet Atkins ultérieur, début 60. Et Scotty Moore en fait sur le passage La et Si utilise ce type d'accord. D'où le côté dramatique un peu de la progression dans le morceau d'Elvis. La version I Got a Woman, il y a un côté intense et dramatique au moment où ça passe sur. Original, fallait le trouver. Et là, même position, en décalage. Donc. Assez dur à décaler, hein, faut faire attention. Okay. Voilà. Et Scotty Moore nous laissera en héritage. Finalement que des choses énormes, parce qu'il a aussi créé ce fameux riff. À noter l'utilisation de l'écho, hyper importante. Il faut bien le régler. Donc, une répétition, plusieurs répétitions. Un décalage quand même relativement proche de la note de base. Pas trop espacé en fait. Là, c'est le réglage vraiment. Donc, l'intro, Mystery Train. Souvent, il inverse les bases dans le picking. Le côté picking un peu anarchique, c'est typique rockabilly. Il ne faut pas que ce soit précis comme Chet Atkins. Donc on peut inverser, ça ne pose pas de problème. On peut même faire une basse continue.
Ah, dans le cas de Scotty Moore, c'est... Et le solo, cette position-là. Montée. Avec des basses un peu alternées, un peu aléatoires. Par moment, il tape le là. Voilà, ce qui donne un peu. Bend ici. Voilà, maintenant on va passer chez RCA. Voilà, contrat avec RCA, début 56. Là encore une fois, c'est l'homme de la situation, décidément. Et là, il casse vraiment la baraque avec Hound Dog, qui reste à ce jour peut-être le solo, le premier solo de rock'n'roll, le premier solo moderne à la guitare. Au même titre que Charlie Christian a amené le jazz moderne à la guitare début 40. Je pense que Scotty Moore a amené vraiment la guitare rock'n'roll. C'est vraiment le premier à avoir balancé des choruses avec une intensité et ce genre de sonorité. Donc, tout le monde connaît la chanson, bien sûr, inutile de la chanter. Ok, donc 1, 2, 1, 4, 1. Ah, ça fonctionne comme ça. Là-dessus, on va monter un tout petit peu les répétitions. Voilà. Un petit peu le volume d'écho. Petite pointe d'aigu au niveau de la pédale d'overdrive. Voilà. Et on attaque le chorus mythique d'Hound Dog. Donc. Ok, donc on va le voir au ralenti. On reprend. Voilà, on va voir aussi un peu brièvement, on va voir Too Much aussi. Donc, pour l'anecdote, ce solo a été complètement raté par Scotty Moore. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a lui-même dit que lorsqu'il a fait ce solo, il pensait que la prise ne serait pas retenue. Et Elvis a voulu retenir cette prise, justement, parce qu'il l'a trouvé assez spécial au niveau du solo de guitare. Voilà, ce qui donne un solo vraiment assez particulier que j'aimerais analyser.
Je vais peut-être le reprendre là parce qu'il y a un petit. Voilà, et la face ballade chez Elvis quand même est très importante aussi. Faut pas oublier aussi le bagage jazz qu'avait Scotty Moore, parce qu'il était, il faut le rappeler, il aimait beaucoup, on le savait pas, mais bon, on l'a appris beaucoup plus tard, qu'il aimait beaucoup les guitaristes de jazz de l'époque, Tal Farlow, Barney Kessel, tout ça. Voilà, il écoutait ça quand même aussi. Donc, il y a quelques intros de ballades que j'aimerais vous montrer quand même, avec un joli son bien clair. Alors, tout d'abord, on a Anyway You Want Me, donc ça ferait. Voilà, aussi il fallait le trouver, complètement original. Donc. On reprend. I want you, I need you, I love you. Important aussi. Très belle intro, originale aussi au niveau des positions de jeu. Voilà. Et la fin. La fin, pour l'anecdote aussi, je tiens à le signaler et à le dire. Scotty Moore lui-même m'a montré la fin correcte de ce morceau. Voilà. Parce que je ne la jouais pas correctement, et il m'a lui-même montré cette fin. Donc. Voilà, donc on peut vraiment rendre hommage à ce grand monsieur de la guitare et à ce guitariste mythique qui restera vraiment comme celui qui a ouvert la voie pour toutes les générations futures de guitaristes. Merci, à la prochaine.